Thank you.
thought of you on your first official visit to the United States. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à l'occasion de votre première visite officielle aux États-Unis. You and all the people of mine are good friends of the United States. In addition to deeply appreciating your support on international issues. Ainsi que le peuple de Mali, vous êtes d'excellents amis des États-Unis. De plus, nous apprécions profondément votre appui sur les questions internationales et nous admirons le Mali. Pays dont les populations, les pays et les religions différentes se respectent et vivent dans la paix. A vital role in resolving regional conflicts in Africa. And has helped African countries to work together to solve problems and promote economic development. Au début de cette année, l'OUA a fêté son 25e anniversaire. Au cours de son histoire, l'OUA a joué un rôle vital dans la solution des conflits régionaux en Afrique et a aidé les pays africains à collaborer pour la solution des problèmes et la promotion du développement économique. Under your leadership, Mr. President, I'm confident. Sous votre égide, je sais que l'OUA continuera à mener ses activités d'importance cruciale. Vous avez déjà témoigné de votre intérêt en aidant à la promotion des règlements régionaux en Afrique australe et au Sahara occidental. We hope the OAU can play an even more active role in solving those. Jouer un rôle encore plus actif dans la solution de ces problèmes régionaux et jouera un rôle clé dans la promotion du développement en Afrique en encourageant la réforme et la coopération économique. Mr. President, I understand there is a Malian proverb that goes Bolokoni Kelente Belaita. One finger cannot lift a rock. I think this proverb expresses perfectly the goal and the strength of the Organization of African Unity. Africans must pull together and work together. Monsieur le Président, le proverbe malien que je viens de citer et qui signifie que un doigt à lui seul ne peut pas soulever la roque exprime parfaitement le but et la force de l'organisation des Africains. Les Africains doivent œuvrer ensemble et s'appeler ensemble à la journée à venir en évoquant non seulement les préoccupations bilatérales et les problèmes régionaux africains, mais en évoquant également les préoccupations qui sont les nôtres dans d'autres parties du monde, car l'Afrique, je le crois, qui représente aujourd'hui près d'un tiers des nations membres des Nations Unies, a véritablement atteint sa majorité et participe à part entière sur la scène internationale. Let me say again how pleased we are to welcome you to the United States. We wish you an enjoyable and profitable visit. Thank you and God bless you. Je vous redis à nouveau tout le plaisir que nous avons à vous accueillir aux États-Unis, où nous souhaitons un séjour agréable et profitable. Je vous remercie et que Dieu vous garde. Je voudrais, au nom de ma délégation et à mon nom propre, d'abord, au souci de renforcer l'amitié et la solidarité qui caractérisent les relations entre nos deux pays. Our visit meets two concerns. First of all, the concern of making even stronger the friendship. Je voudrais rappeler la mémorable visite que le vice-président George Bush a effectuée au Mali les 8 et 9 mars 1985. May I cite in this connection Vice President Bush's memorable visit in Mali on March the 8th and 9th, 1985. Notre peuple y a vu la preuve tangible de l'engagement constant des États-Unis d'Amérique à l'endroit de la République du Mali. It was for our people tangible evidence of the unwavering commitment of the United States to the Republic of Mali. Ensuite, mon profond désir d'apporter au peuple américain, en ma qualité de président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, le message d'amitié des peuples d'Afrique. May I now express my earnest wish to bring to the American people, in my capacity as president of the OAU, a message of friendship from the peoples of Africa. En effet,
outre le rôle planétaire que jouent les États-Unis d'Amérique, il existe entre votre pays et le continent africain des relations humaines, culturelles et spirituelles qui se renforcent chaque jour davantage. In the search for a solution to the problems which are in the soil.